d'Orléans, philosophé. Avec le vent, les petits oiseaux dans la forêt. Le soir venu à ses enfants, il racontait ce qu'il avait appris là-haut sur les galets. Un beau matin, comme dans son champ près du marais, avec son chant sifflotant, il s'engageait. Deux hommes armés à collet blanc, lui touchent le dos, très galamment, s'excusant, lui dit ces mots. Monsieur, monsieur, vous êtes sous arrêt, parce que vous philosophez, suivez. Monsieur, en prison vous ferez, pour philosopher apprenez, il faut d'abord la permission, des signatures et des raisons, un diplôme d'au moins une maison spécialisée. Petit Jean à la tour, la bicyclette, un soir de mai, se dirigeait le cœur en fête chez son aimé. Et il chantait à plein poumon une chanson bien méconnue dans les maisons de publication. Mes deux aînés de tout à l'heure, passant par là, entendent chanter l'homme dans le cœur, gamin s'en va. Sortent leur fusil, le mettent en joue sans hésiter, et lui commence ce discours pas très sensé. Petit Jean, petit Jean, te voilà bien mal pris, parce que tu chantes sans permis. Ah oui, ta carte fait-tu partie de la charte. Toi bien, petit Jean Latour, faut que tu comparaisses à la cour. Avant que pour devenir artiste, faut d'abord passer par la liste des approuvés. Et en prison, petit Jean Latour, enfermé à double tour pendant 2 ans. Puis quand enfin l'autorité libéra, écoutez bien, mesdames, sur ce qu'on trouvera. Un homme savant et un compositeur, grand et seigneur, on les pria d'accepter les honneurs. Tandis qu'à bicyclette, Dijon reprit sa route en chantonnant tout comme avant.